3 et 4. Patricia Paquin, une fille très en forme. On n'a pas peur du ridicule, nous non plus. Une fille très en forme, Patricia Paquin. On a engagé avec nous. Bonjour. Oh, il est gêné. Oh. Il m'a mordu tantôt. Il mord un petit peu quand il est gêné. Oh, il est cute. C'est un bébé dragon. Oui, dans la prochaine heure, on va avoir un invité avec nous qui va être là, qui va co-animer avec nous et qui va chanter des chansons. Oui. C'est un chanteur qui a plusieurs cordes à son arc. Il y a quelques années, même, j'ai fait une chanson pour les adolescents, puis pour les adultes aussi, qui s'appelait Le Pape du Rap, qui était pour un autre groupe d'âge. Puis là, il vient de tomber dans un autre groupe d'âge, d'essayer d'autres choses. Et il commence à être chansonnier pour enfants. Il a fait un disque qui s'appelle Bébé Dragon. Puis là, on a Bébé Dragon qui m'attaque les souliers. J'ai un petit peu peur. Non. Et puis, il va nous chanter cette chanson-là. C'est Daniel Lavoie. On l'écoute! Bébé dragon dans la salle de bain. Il y a un bébé dragon caché dans un coin. Je ne sais pas où ni comment il fait pour se cacher si bien dans la salle de bain. Il y a un bébé dragon dans la salle de bain. Il y a un bébé dragon et là j'en suis certain. J'ai vu ses traces sur la savonnette. Des petites traces, des traces bien nettes. Des traces toutes propres sur la serviette. Des traces de dragon dans la salle de bain. Il y a un bébé dragon dans la salle de bain. Il est probablement vert à picot rouge vin. Je sais qu'il est là et je l'aime beaucoup. Si jamais je le vois, je lui dirai tout doux. Je suis ton ami, tu le savais bien. Petit bébé dragon dans la salle de bain. Je suis ton ami, tu le savais bien. Petit bébé dragon dans la salle de bain. Petit bébé dragon dans la salle de bain. Petit bébé dragon dans la salle de bain.